présenter, d'un visiteur qui, lui, sera invité le 12 mars à notre dernier meeting de campagne. Je vous demande de l'applaudir, il s'agit du député européen, ancien magistrat que certains connaissent à la salle, notre ami Jean-Paul Garot qui nous vient en voisin. De la démocratie qui en réalité sont les seuls à ne pas respecter la liberté d'opinion, les seuls à chaque fois à s'opposer à ce que... Et quand je vois ces champions d'opérette de la démocratie, j'ai envie de leur dire franchement, il ferait mieux de retourner chez eux, qu'ici il n'y a aucun problème, il y a des Français qui tout simplement croient en leurs idées, respectent les lois de la République, ce qui n'est certainement pas le cas quand on veut empêcher des gens d'assister à une manifestation. Je me permettrai de rajouter que je remercie les policiers, quelques rares policiers qui étaient là à l'entrée, et je suis quand même surpris que, par moment, les forces publiques soient si attentives à protéger certains élus macroniens et si négligentes quand il s'agit d'assurer la sécurité de notre meeting. Alors, cher Louis, chers amis, je suis provençal et vous le savez, les Provençaux aiment les Catalans. Au moment du grand mouvement qui permit de remettre la langue provençale au bout du jour, l'initiative, je ne l'oublie pas, fut prise notamment avec ceux qui œuvraient à faire vivre ou revivre la langue catalane. Et élu du Vaucluse, j'ai grandi au rythme de la, au son plutôt de la coupe au centre, Provença, là ici la coupe qui est le vin du catalan. C'est donc naturellement pour moi un moment de joie d'être ici aujourd'hui parmi vous. À Perpignan, terre de tradition, terre d'histoire, mais aussi terre de rugby. Cette joie se double d'un véritable plaisir personnel, tant je tiens à témoigner d'amitié à Louis, artisan infatigable, tenace, courageux comme l'Ariège qui a vu grandir, pyrénéen en somme, avec l'opiniâtreté de ceux qui, dans cette élection, comme dans tout moment de la vie politique, ont décidé de ne pas s'en laisser compter. Je saluerai aussi mon ami et compère Jean-Paul Garot. Nous avions fondé ensemble la droite populaire, c'était si ma mémoire est bonne, le 14 juillet 2010, parce qu'à l'époque on avait la mauvaise pensée de dire que si l'ouverture en cette année 2010 devait aller à gauche, elle devait quand même aussi aller à droite. Et que quand on avait promis de brancher le Karcher, il était peut-être nécessaire pour encore de brancher le tuyau. Bref, quand on ne réalise pas son programme,
quand on ne réalise pas son programme en politique, on sait que les premiers à vous sanctionner, ce seront les électeurs. Enfin, ma venue est également liée à un voleur politique. Louis Alliot incarne à la perfection ce rassemblement de la droite que j'appelle de mes voeux depuis longtemps, que nous appelons de nos voeux depuis longtemps. Franchement, quand on me dit « mais il y a un parti infréquentable parce que on n'a pas les mêmes valeurs », une fois que vous avez dit ça, bon, qu'est-ce qu'il y a ? Après, il n'y a pas grand-chose après. On n'a pas la même histoire. Si on a les mêmes valeurs, on est tous, quelle que soit notre histoire politique, attachés à une idée de la France, fiers de son histoire, fiers de ses traditions, fiers de ce qu'elle est, de ce qu'elle veut rester. Et quelle que soit notre histoire politique, ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous a séparés dans le passé, mais c'est les combats que nous avons à mener ensemble pour l'avenir. Et aujourd'hui, avec Jean-Paul, nous faisons partie de ceux qui pensent que, quand on voit l'état de la France, quand on voit les menaces qui pèsent sur notre pays, le problème n'est pas de se dire que dans les années 80, on s'est battu, mais de se dire que peut-être à partir de 2020, il est ensemble que tous ceux qui partagent effectivement cette même foi dans notre pays se mettent ensemble, et que si on ne le fait pas maintenant, ce sera peut-être trop tard après. Alors je suis là, vous en doutez bien sûr, pour soutenir Louis Alliot dans ce combat pour Perpignan, un combat qui est devenu presque un combat national, mais toi tu sais très bien que c'est avant tout un combat pour tes administrés, pour la ville de Perpignan, pour tes concitoyens, puisqu'on a appris qu'à quelques centaines de mètres, on a le responsable du parti écologiste qui tient meeting. Vous savez, au-delà des étiquettes nationales, il vaut toujours mieux un maire qui rassemble aussi bien des électeurs venant de tous les horizons de la droite, des Républicains, de demain de la France, du Rassemblement National, qu'un élu qui se pliera au bon plaisir d'Emmanuel Macron. Il faut toujours mieux un maire unissant toute la droite qu'un socialiste distribuant des subventions à toutes les associations communautaires. Il vaut toujours mieux... Et il vaut toujours mieux un maire unissant toute la droite qu'un écologiste sectaire qui confond la gestion municipale avec les gesticulations de Greta Thunberg. Alors Perpignan, par moment je lis les candidats écologistes. D'ailleurs j'ai lu ce que disait la candidate écologiste à France Inter au sujet du maire sortant. C'est complètement ridicule de se lancer dans une élection à partir d'un sondage. Ils se foutent de Perpignan. C'est pas nous qui le disons, ce sont les écologistes. Ils se foutent de Perpignan. S'il perd demain, il ira jouer au golf à Marrakech. Il est en bout de course. Marquez au moins un golf, c'est vert. Mais avec aujourd'hui... Aujourd'hui, le problème est de faire le bon choix pour Perpignan. Mes amis, avec un peu d'effort, il faut réunir dès le premier tour le plus gros score possible autour de Louis et de sa liste pour faire en sorte que le masque tombe, pour faire en sorte que la farce du club des intérêts acquis, maquillés désormais en front républicain, tombe en désuétude. Et c'est partout pareil en France. La parole publique est décrédibilisée par ces hommes de passage qui finissent tous par communier au même slogan « Barrage au rassemblement, barrage à l'extrême droite ». Est-ce que vous êtes l'extrême droite? Est-ce que nous sommes l'extrême droite? L'extrême droite, et je le dis avec sympathie aux journalistes, on a presque l'impression, vous savez, que c'est comme au patinage artistique, il faut mettre le Rassemblement National, le parti d'extrême droite, pour bien marquer. Être extrémiste, être d'extrême droite, c'est ne pas respecter la démocratie. C'est d'empêcher les autres, par exemple, je pense qu'ils sont bien plus extrémistes que nous ici. Être extrémiste... Le Rassemblement National, aujourd'hui, est un parti comme un autre, qui se félicite quand il gagne les élections,
qui s'incline devant le suffrage universel quand il perd l'élection. Et il est temps qu'en réalité, cette caste des sortants, quel que soit leur bord, arrête avec cette comédie du Front républicain. Le Front républicain, en réalité, ce n'est que le cartel de ceux qui veulent garder leur poste, qui n'ont plus d'idées et qui sont prêts à s'allier ensemble pour sauver leur siège. Alors, chers amis, les villes de France méritent mieux et Perpignan beaucoup mieux. Perpignan a besoin d'une nouvelle équipe. Quand je vois ce qui se passe à Perpignan, on voit très clairement qu'en réalité, c'est la même équipe qui se passe le pouvoir, qui se passe les plats, les fonctions depuis 40 ans. Et le maire sortant est certes républicain, mais je vais dire avec quelle conviction. Quand on sait qu'il est allé quémander le soutien ou la neutralité en marche pour faire en sorte de ne pas avoir de problème, quelle conviction, quelle crédibilité peut-on lui accorder? Et il est intéressant d'analyser les profils des adversaires de Louis Alliot. Je tombais récemment sur une des candidates de la liste En Marche, en charge de la culture. Alors, dans cette vidéo, elle expliquait sur son compte Twitter qu'il fallait, pour Perpignan, la fin d'une culture élitiste pour l'avènement d'une culture partagée, inclusive et participative. C'est beau, franchement. C'est beau, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en réalité, c'est toujours ce vocabulaire-là qu'on emploie quand on est à court d'idées. Nous, dans les listes, nous voulons, comme Louis, une culture populaire, une culture locale, une culture ouverte qui se transmet, qui se concentre sur ce qui se transmet. Ce qui se transmet peut être contemporain ou ancien, là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on ne transmet rien qui ne soit déjà ancré dans une histoire, un territoire, une tradition, une région. J'ai été en charge, dans le Vaucluse, de l'Orchestre Régional d'Avignon, des Corégies d'Orange pendant 23 ans au Festival d'Opéra. Et comme vous, je suis amoureux de la culture sous toutes ses formes et sous toutes ses exigences. Mais j'ai remarqué que chaque fois que nos adversaires nous expliquaient qu'eux luttaient pour un modèle inclusif, participatif, ça signifie en réalité que pour eux la culture doit se cantonner à un cercle restreint d'initiés. Nous, nous voulons une culture pour tous. Et je fais une grande confiance à lui pour transmettre effectivement, quand il sera maire, l'authentique, l'original. Il démontrera là aussi que les caricatures proposées du Rassemblement National sont infondées. Nous voyons déjà pointer les arnaques habituelles dans ces municipales. Les vierges effarouchées, je le disais, rassemblées pour appeler au Front républicain. Les menaces, les cris de désespoir, en un mot, tout ce que les élites en pleine démission utilisent comme artifice pour se maintenir et retarder leur éviction. Mais cela ne se fera pas. Parce qu'à Perpignan, on sait que Louis, votre député, est un gars du cru, un gars du coin, qui a des solutions pour une ville qui souffre de ces sornettes qui voudraient imposer l'absence d'alternative politique comme seul horizon des élections. Le maire serait condamné à être réélu pour éviter un danger imaginaire. Non, le danger réel, c'est d'avoir la même majorité qui continue pendant 6 ans de plus, c'est d'avoir les mêmes qui continuent la même politique de compromission avec le communautarisme, de démission devant l'insécurité, et pour cela, la seule alternative, c'est Louis qui la représente. Aujourd'hui, regardons autour de nous. Dans toutes les mairies administrées par un maire proche ou se réclamant du Rassemblement National, la gestion est inattaquable. D'ailleurs, c'est ce qui désole nos adversaires. Je dirais même exemplaire. En réalité, quand vous regardez Fréjus, Beaucaire, Béziers, Hénin-Beaumont, à chaque fois, la délinquance a baissé parce qu'un effort réel a été fait sur la sécurité, les impôts ont été maîtrisés, l'endettement a été limité, et le cadre de vie a été embelli. Prenons un exemple. Mes amis, vous connaissez Béziers, son maire courageux. Que n'a-t-on pas dit sur Emmanuel, sur M. Bénard? Certains médias venaient l'attaquer en masse, brocardant toutes ses initiatives, avant de se rendre compte qu'à chacune de leurs dénonciations, en réalité, il lui faisait gagner en popularité. À Béziers, grâce à Robert Bénard,
les férias sont redevenues une fête populaire, loin de l'insécurité chronique qui les cachait. À Béziers, les impôts baissent, et la police municipale s'agrandit, loin de cette gauche qui s'oppose formellement à tout déploiement des polices municipales. Je vous rappelle quand même que la France insoumise n'hésite pas à qualifier les polices municipales de milices privées. À Béziers, la culture authentique est revenue, repensée à travers les vrais symboles historiques de cette ville. Quel Perpignanais n'a pas envie de se lâcher? Les oiseaux de malheur ont beau s'agiter, vous savez bien qu'il faut juger lui sur ses qualités et qu'il fera un excellent maire de Perpignan. Alors on a beaucoup entendu qu'Emmanuel Macron avait réussi le tour de force d'absorber le centre droit et le centre gauche en France. Rappelons qu'il a fait, hélas, sans trop de difficultés. En 4 ans, la formation à laquelle nous avons appartenu avec Jean-Paul, les Républicains ont perdu les 3/4 de leurs adhérents. De 58 000, désormais, alors qu'ils étaient 240 000 en 2015. Et quand je vois l'évolution de ce parti qui se dit représenté à droite, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'ils ont mis comme vice-président Gaël Perdriau. Gaël Perdriau, c'est le maire de Saint-Étienne. J'étais d'ailleurs à Saint-Étienne pour soutenir notre candidat il y a quelques jours. C'est le maire de Saint-Étienne qui jugeait qu'Éric Zemmour était responsable des attentats de Bayonne. C'est le maire de Saint-Étienne qui mettait dans ses propos au conseil municipal le terrorisme islamique au même niveau que le terrorisme, je cite, Jean-Bombeur Beaujolais. Les Républicains n'ont pas seulement abandonné leurs convictions, ils ont trahi leur engagement. Laurent Wauquiez, à l'époque, invitait les polémistes de droite à la tribune, mais ensuite, c'était pour mieux se coucher devant la gauche. Et si on nous dit que François Baroin serait le candidat déclaré pour les présidentielles de 2022, franchement, Emmanuel peut dormir tranquille, car en réalité, François Baroin ne sera qu'un Macron light, il n'incarnera en aucune manière une alternance crédible. Et quand je vois d'autre part des élus qui se disaient fiers de leurs convictions, Christian Estrosi à Nice, ou Natacha Bouchard à Calais, pourtant, ville, si vous me permettez, martyre de cette immigration clandestine qui pourrit littéralement la vie du Calaisien. Eh bien, quand je vois qu'en réalité, ils s'accoquinent au municipal avec la République en marche, ou sans le dire, des responsables de la République en marche sans en prendre l'étiquette, je me dis qu'aujourd'hui, le parti qui incarnait la droite n'incarne plus rien, si ce n'est que certaines compromissions. Et aujourd'hui, ce seul parti qui défend les idées auxquelles nous étions attachés, c'est le Rassemblement national. Je constate que les Républicains sont devenus un parti sans stratégie, sans direction. Sans autre discours aujourd'hui, et l'exemple des retraites l'illustre parfaitement, sans autre discours que la validation des grandes réformes de Macron, pour en critiquer certes quelques détails. Mais c'est un parti qui n'a plus de ligne politique. Et quand on regarde les alliances qui désormais sont faites au municipal, on est quand même en droit, malheureusement, de se dire que c'est désormais un parti en pleine dérive. Je prendrai quelques exemples puisque je fais 2 ou 3 réunions par semaine. La semaine dernière, j'étais à Nancy. À Nancy, vous découvrez que les centristes, puisque la mairie est dirigée par Laurent Ménard, les Républicains et En Marche se sont tous mis ensemble et font une grande liste. J'étais dans l'Eure. Dans l'Eure, il n'y a pas une seule liste des Républicains. Il est vrai que l'Eure est le département de M. Le Maire et de M. Le Cournu qui sont dans le gouvernement de M. Macron. Alors, En Marche, les Républicains sont tous ensemble dans des listes ensemble pour l'Eure. Mais en réalité, c'est ni plus ni moins que la collaboration petit à petit qui se met en place entre ces deux parties. Enfin, dernier exemple, j'avais hier Julien Sanchez, qui parlait de Tarascon, et il me disait, dans ma ville, à Beaucaire, désormais, c'est quand même assez extraordinaire, sans mettre en avant leurs étiquettes, les élus socialistes et les élus républicains ont décidé de faire liste ensemble pour nous barrer la route. Comment peut-on encore incarner la droite quand aujourd'hui on en est prêt à tant de compromissions? Comment peut-on encore dire qu'on incarne une alternative quand désormais on est main dans la main dans de très nombreuses villes avec En Marche? Et il n'a plus
Ce parti n'a plus d'intérêt car il a refusé ceux qui lui conseillaient d'écouter tant d'amis de la droite populaire depuis des années, à savoir sortir de la soumission culturelle, abandonner cette erreur constante de l'ouverture aux socialistes et du rejet du projet d'une grande droite réunie. Chaque fois que les patriotes ont voulu plaire à la gauche, ils se sont naufragés, ils ont disparu. Chaque fois qu'ils ont été fiers de leurs convictions et les ont tenues jusqu'au bout, ils en sont sortis. J'espère que les électeurs et militants des Républicains ici à Perpignan ne se tromperont pas. La droite a besoin d'eux. Louis Alliot a besoin d'eux. Car face à lui, c'est une alliance arc-en-ciel des lieutenants d'Emmanuel Macron ou des anciens notables du Parti Républicain qui se met en place. Aujourd'hui, il faut que cette union se fasse en faveur de celui qui porte des convictions claires, de celui qui ne fera aucune compromission pour Perpignan ou Mérou. Face à Macron, la seule famille politique unie et concentrée, c'est celle qui est aux côtés de Marine Le Pen. C'est celle qui pense d'abord à la France plutôt que de penser aux petits arrangements. C'est celle à qui... qui a compris que les beaux discours d'Emmanuel Macron sur l'immigration ou la nationalité en réalité étaient creux, puisque jamais, l'année dernière, l'immigration n'a atteint un tel niveau. C'est celle qui sait à quoi s'en tenir sur la réforme des retraites. Quand Macron, depuis 2 ans et demi, mène les Français en bateau de commission, en expert, pour qu'en réalité on découvre à la dernière semaine qu'on a une réforme qui vous est présentée où c'est un peu la loterie, la simulation n'est toujours pas en place, on fait cette réforme, le Conseil d'État, pourtant organisme de justice administrative, on ne peut plus indépendant, a rendu un avis accablant en disant que le coût n'était pas maîtrisé, qu'on ne savait pas exactement où cette réforme nous menait, on croyait avoir élu des professionnels, on découvre qu'en réalité on a des communicants qui ne sont que des bricoleurs. Et il faut aussi savoir à quoi s'en tenir sur les incantations du président de la République sur l'ordre public. Quand Emmanuel Macron mobilise sciemment toutes les oppositions sociales, les provoque, crée le chaos pour se poser en protecteur de la démocratie, on sait très bien que c'est une manipulation. Et quelle image lamentable on donne à l'étranger et on donne aux Français. Quand on voit quasiment depuis plus d'un an que la police est lancée contre le peuple, que les policiers en arrivent à se battre avec nos pompiers, et qu'en réalité, chaque fois que l'extrême gauche vient plus, et qu'en réalité, chaque fois que les Black Blocs ou l'extrême gauche, oui, la honte, c'est chaque fois aussi que l'extrême gauche vient casser, eh bien, on voit qu'ils arrivent à repartir, alors que les manifestants, eux, sont aux premières loges pour justement faire les frais de cette manifestation. La France aussi sait à quoi s'en tenir sur les insultes faites à l'histoire. Je pense aux Français d'Algérie, aux Harkis et à tous nos anciens qui furent déployés dans l'ancien département français. Quand la République En Marche veut concurrencer la France insoumise sur le marché des votes communautaires. Comment peut-on admettre qu'un président qui, déjà, à l'époque, on pouvait se dire c'était une bourbe, qui, pendant sa campagne électorale, avait parlé des crimes contre l'humanité de la France pendant la guerre d'Algérie, n'hésite pas à faire le parallèle entre la guerre d'Algérie et la Shoah. Quelle honte pour quelqu'un qui a en charge l'histoire de notre pays, quel mépris pour tous ceux qui, à un moment ou à un autre, se sont engagés en Algérie, et quel mépris aussi pour la Shoah qui n'a pas besoin d'avoir des comparaisons aussi ridicules. Nous sommes conscients du tort que Macron fait au pays, et nous souhaitons aller au-delà. Chaque semaine d'ailleurs au Parlement européen, avec Jean-Paul, nous constatons le double discours. Emmanuel Macron, en France, explique qu'il veut limiter l'immigration. Et ses députés au Parlement européen sont là aux premières loges pour condamner Salvini quand celui-ci bloque l'immigration en Italie et sont les premiers à condamner la Hongrie ou la Pologne qui veulent voir leur souveraineté respectée. Il
y en a assez de ce double discours, de ce président qui en réalité tient des discours de circonstance pour plaire à son électorat du moment. C'est plus digne d'un représentant de commerce que d'un président de la République française. Et puis pour revenir une dernière minute sur Perpignan. Je ne suis pas un spécialiste de la gestion de la ville, vous me l'excuserez. Mais j'étais ici le 27 janvier 2011. Ça ne vous dit rien, mais le 27 janvier 2011, c'était la date où on a officiellement inauguré la ligne à grande vitesse Figueras-Perpignan. Et à l'époque, je me souviens des projets, parce que cette ligne à grande vitesse Figueras-Perpignan, ça ne devait être qu'un barreau de la ligne qui permettait de faire de Barcelone à Paris, de remettre Perpignan au centre du développement économique. Quand je vois par exemple que Perpignan aujourd'hui n'est toujours pas desservi par la grande vitesse, j'ai envie de dire, mais qu'a fait le maire depuis 2011? Qu'a fait Madame Delga, qui pourtant était ministre de Monsieur Hollande et aujourd'hui présidente de la région? Et quand on me dit que désormais ce fameux barreau entre Perpignan et Nîmes est renvoyé au calende grec, comment le maire de Perpignan peut-il accepter que sa ville soit l'une des rares en France à ne pas bénéficier de la grande vitesse? Comment peut-il accepter que finalement les Perpignanais restent à l'écart de ce qui désormais en France est quasiment la règle? Je sais qu'à Toulouse ce n'est pas le cas encore, mais c'est prévu. Que cette grande vitesse, bien finalement, vous en soyez exclu. Et en plus, quand j'ai voulu venir à Perpignan, quand je vois le prix des billets d'avion, je crois que c'était 400 ou 500 euros, quand on est maire depuis deux mandats, on devrait se poser des questions sur son efficacité et qu'est-ce qu'on a fait pour désenclaver et faciliter les transports pour sa région. Comme certains, comme Jean-Paul, comme Louis aussi dans une autre famille, on est plutôt de droite. Mais on voit que tout ça est en train de voler en éclats. Et qu'aujourd'hui, en réalité, vous avez effectivement ceux qui se sentent très bien dans la culture mondialiste, qui vous expliquent qu'après tout, si on accueille des produits agricoles d'Amérique latine, d'Afrique du Nord, ou parfois de régions un peu moins lointaines, et qu'après tout, les produits du Roussillon se retrouvent avec des trains qui, par moment, ont un trafic hésitant, eh bien, c'est pas grave, c'est la mondialisation. Nous pensons, au contraire, qu'en réalité, aujourd'hui, à Perpignan comme ailleurs, la frontière est claire. Il y a ceux qui sont attachés à la nation et qui vous vivent dans la réalité. Oui, aujourd'hui, le monde se mondialise. Et c'est pas parce que le monde se mondialise que la France doit disparaître. Et quand vous regardez ce que font certains États européens, je citais tout à l'heure la Hongrie, la Pologne, quand je vois par exemple ce que font les Britanniques, je ne suis pas partisan, je le dis tout de suite, de quitter l'Union Européenne, mais il y a des moments où les peuples se relèvent et disent on ne peut pas accepter n'importe quoi. Et ce mondialisme est aujourd'hui le danger qui nous menace en France. Ce danger du mondialisme, vous le savez, c'est d'abord un danger qui consiste à dire nos frontières doivent être ouvertes parce que l'immigration est positive. C'est un danger qui consiste à dire nous devons accepter toutes les cultures chez nous parce que finalement c'est un enrichissement mutuel mais qui oublie simplement par moment de défendre la culture française. Nous devons qui accepte aussi toutes les démissions, toutes les compromissions et qui nous explique par exemple quand je vois ce qui se passe au niveau du terrorisme. Eh bien oui, il faut pardonner, il faut comprendre, par moments ils ont été là-bas comme infirmiers, cuisiniers, maroquiniers, je ne sais quoi. Et après tout, ces djihadistes qui sont partis loin de France aujourd'hui, il faut les récupérer. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucune compromission à avoir face à une immigration débridée, aucune compromission face à un communautarisme qui chaque jour, avec la complicité de certains maires, gagne du terrain.
aucune compromission avec le terrorisme à avoir. Aujourd'hui, pour reprendre la distinction de Jérôme Sainte-Marie, c'est effectivement le bloc populaire qui prend la mesure de sa force face au bloc militaire. En un mot, la France qui ne supporte plus celle des gens qui sont importants, la France qui ne supporte plus qu'elle d'être accusée de passéiste, d'extrémiste. Bref, Macron, c'est le mépris de classe. Nous, ce que nous voulons, c'est le respect des Français. À la droite populaire, on lui un signal politique essentiel. Tant le discours politique ne se retrouve plus dans les réalités du terrain, tant, comme je le disais, il faut appeler un terroriste et non pas un déséquilibré, une racaille, et non pas un jeune. Il n'est pas normal en France de céder devant tous ces petits trafics, toutes ces violences, et d'accepter de voir, aujourd'hui c'est plus les banlieues, mais l'ensemble de nos villes et nos villages, petit à petit, gangrénés par un ensauvagement, où tous les trafics et toutes les violences sont quasiment admises avec résignation. Alors en conclusion, à Perpignan comme ailleurs, nous voulons bâtir, édifier de nouveaux liens avec les Français. Nous voulons qu'à Perpignan se bâtisse, ici comme ailleurs, une nouvelle majorité. Oui, la droite populaire que nous avons créée avec Jean-Paul est fière de soutenir Louis et tant de candidats de l'Union des droites dans cet engagement. La réunion des talents à droite est l'étape fondamentale pour, dès le premier tour, assurer les victoires au second tour. Et vous connaissez tous la citation de Dali dans son journal d'un génie en 1964, « La gare de Perpignan est le centre du monde ». Mais on oublie souvent la suite. C'est toujours à la gare de Perpignan, c'est Dali qui parle, que me viennent les idées les plus géniales de ma vie. Alors, en pensant à cette phrase, je ne sais pas si c'est une des idées les plus géniales de notre vie, mais ce que nous voulons ici à Perpignan avec Jean-Paul, c'est lancer un appel à tous ceux qui à un moment ont soutenu, participé, adhéré ou simplement voté pour ce même parti qui était RPR, les Républicains ou l'UMP. Aujourd'hui, la seule opposition à ce gouvernement, les seuls qui incarnent vraiment une alternative à Emmanuel Macron, c'est les candidats qui se présentent en représentant cette droite. C'est ici Louis Alliot, c'est ailleurs des candidats qui ont su, comme Louis, faire le rassemblement avec des militants du Rassemblement National, avec des militants de la droite populaire et puis tout simplement avec des Français qui n'ont jamais eu de carte, mais qui se disent « c'est assez pour ma ville, pour mon pays, je dois me mobiliser ». Et pour cela, Louis, c'est un appel à ne pas se résigner, un appel de ceux qui ne veulent pas que cette fracture sociale s'agrandisse, que cette casse orchestrée de notre système social par Emmanuel Macron continue. Un appel de ceux qui savent que par moments, les frontières sont notre dernier rempart quand la nature même de notre pays est menacée. C'est ceux qui savent que face aux menaces de l'islamisme radical, la France ne doit avoir aucune compromission et aucune faiblesse. Un appel de ceux qui n'accepteront jamais les victoires du communautarisme. Un appel de ceux qui refusent l'explosion des agressions, de la violence, de ces morts auxquels on s'habitue malheureusement jour après jour. Bref, à Perpignan comme ailleurs, c'est ceux qui veulent qu'on retrouve une France moderne, une France qui est dans le XXe siècle, mais une France aussi qui respecte son histoire, qui respecte ses valeurs. C'est pour cela qu'à Perpignan, nous vous appelons sans aucune réserve et dès le premier tour à soutenir Louis Alliot, le seul qui représente le véritable...